وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Moi, je connais des gens, miskin, wallah, une personne âgée que j'ai rencontrée. Il a été voir un sorcier. Il lui a dit, tu as telle chose, si tu es guéri, il faudra que tu sacrifies une bête pour la tombe d'un tel, pour le wali un tel. Et lui, des années après, il vient me voir et me parle de ça. Je lui parle, je dis, Allah, il dit, c'est du shirk, ça. Ça fait sortir de l'islam. Il me dit, non, le wali, il est venu me voir dans le rêve, un chameau. Il m'a mis sa tête, il m'a dit, t'as pas sacrifié pour lui, tu vas avoir des malheurs. Il dit, il faut que j'aille sacrifier pour lui. Azabillah. Je lui ai dit, ahi, ça c'est les shayatins, c'est le djinn. Il me dit, oui, j'ai été voir quelqu'un qui connaît même pas l'histoire. Il m'a dit, toi, t'avais fait un vœu de sacrifier pour tel wali, tu l'as pas fait. Il dit, comment il a su? J'ai dit, c'est simple, ton shaitan, il lui a dit. Ton shaitan qui est avec toi, il lui a dit, celui-là, il avait fait un vœu de telle chose. Wallahi masakin, les gens, ils se font tromper comme ça par des sorciers, par des devins. Après, il dit, ah, c'est un marabout, lui, trop fort. Il connaît beaucoup de choses. Il sait pas qu'il travaille avec shaitan. Il parle entre eux, il a des missionnaires qui vont, l'autre shaitan, il vient lui rapporter, l'autre, il raconte. Il connaît rien de l'invisible. Juste, il t'a bien eu. Il t'a bien trompé, il t'a bien roulé dans la farine. Et il t'a rentré dans le shirk. Ça a annulé toutes tes actions. Sallallahu alayhi wa sallam.